Good morning, à l'aïd d'Anne, sera aujourd'hui le Nishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman, Yosef ben Nachum, Avram, Norbert ben Fortuné, Mazal, Dov ben Yudit, et Nissan ben Mafret, si vous savez aussi des lignes, j'ai une étude de Mishnah, contacté la 5e minute éternelle. Nous étudions Maserhet Tamid, par Exaïn Mishnah Bet, Baou ve Amdou al Ma'alot Ha'ulam. Amdou, Harishonim, les Drom, Achehem, Akoanim, Machamisha, Kelim, Beyadam. Ateni, Beyad Echad, Veakouz, Beyad Echad, Veamarta, Beyad Echad, Abazach beyad echad, vekaf vekisuya beyad echad, donc ça fait 5 kohanim, uvarechu et ha'am beracha achat. Ela sheba medina omrim ota shalosh brachot, uba migdash bracha achat. Ba migdash hayu omrim et Hashem kichtavo, uba medina bekinuyo. Ba medina kohanim noseim et kapehem, yedehem keneged kitfotehen, uba migdash al gabei rashehen. חוץ מכהן גדול, שאין מגביע את ידו למעלה מן הציץ. רבי יהודה אומר, אף כהן גדול מגביע את ידו למעלה מן הציץ. שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. Fin de la avoda, concrètement, c'est la dernière Mishnah qui va nous parler d'avoda, parce que la prochaine Mishnah, elle va nous parler juste d'un cas particulier, c'est le Kohen Gadol qui veut faire les korbanot. Et la dernière Mishnah, mais en tâchem du Sioum, alors là, elle n'aura plus de rapport. Direct, on va plus parler des Lévi'im, les chants des Lévi'im, on va plus parler de la Voda. On avait fini dans la Mishnah précédente l'Aktara de l'Aktoret, complètement. On avait appris que ensuite il se... excuse-moi, pas dans la Mishnah précédente, dans la fin du péri précédent, après il se prosternait et il ressortait. Après, il y avait les Kohanim qui devaient aller se prosterner dans le Echal, il y avait le Kohen Gadol d'abord, après il y avait le Memouné qui était occupé sur le rideau que lui il entrait, après c'était les autres Kohanim qui venaient. Eh bien, la Mishnah maintenant va me dire une fois que, en deux mots, une fois qu'ils ont tous fini de se prosterner, eh bien, ils vont tous aller sur les escaliers, sur les marches du Echal, ils vont rester là-bas, tous en ligne, et ils vont faire la Birkat Kohanim. C'est le principe de la Mishnah, en donnant ensuite des halachot de la Birkat Kohanim, et en précisant dans quel ordre ils vont se tenir. Je vous le dis tout de suite à l'oral, c'est très simple, on a eu 5 Kohanim qui se sont occupés d'entrer dans le Echal. Oui. Il y en avait 2 Kohanim qui étaient là pour vider les cendres. Un pour le Misbeach Hazahav et un autre pour la Menorah. Pour le Misbeach, il avait ce qu'on appelait le Teni et l'autre, il avait le Kouz. À part ça, pour allumer la Menorah et le Misbeach Hazahav, alors on avait encore. Pour lui, la Menorah, c'est le même qui a vidé, qui faisait lui la Tavata Menorah. D'abord. Et pour le Misbeach, pour le Misbeach, on avait fait 3 Kohanim supplémentaires. Qui était un qui rentrait avec la pelle, avec les braises. Un autre qui entrait avec la ktoret. Seulement, vous rappelez, la ktoret, il y avait un ustensile dans un autre ustensile. Plus précisément, il y avait le bazar dans le kaf. Il fallait retirer le bazar du kaf et donner le kaf à quelqu'un d'autre. Donc ça faisait un autre kohen. Donc on avait 5 kohanim. Eux, ils allaient se mettre sur la partie sud, de manière à ce qu'ils vont être sur la droite des autres kohanim. Et les autres kohanim, alors sur ça, une petite marloquette, avec. Pas une marloquette, je ne sais pas si c'est une marloquette. Et les autres Kohanim, ils se mettaient tous ensuite en ligne sur le reste des escaliers. Sur quoi il y a des petites nuances. Il y en a qui expliquent justement qu'on parle des Kohanim qui ont fini de faire monter les Varim du Kevesh sur le Misbeach. Dans la Mishnah précédente, je vous avais dit que dans la Mishnah, elle ne va plus en parler, mais en fait, on en parle ici, dans les Mefarshim, qu'on parle en fait des Kohanim qui venaient ensuite. Donc j'ai déduit de là qu'il y avait les Kohanim qui venaient ensuite. Mais ça fait plein de contradictions parce que. Il y avait un Malechat Shlomo qui expliquait plus haut qu'il n'y avait qu'un seul Kohen qui s'occupait de faire monter tous les membres. Enfin, on va trop rallonger. Je sais pas. J'ai pas plus d'éléments que ce qu'il y a écrit. Concrètement, en tout cas, il y avait les autres Kohanim qui venaient tous se mettre en ligne. Les autres Kohanim aussi qui étaient partis faire la Tfila aussi, comme ça c'est mentionné, je crois, dans le. Je sais plus, dans le Barthénoa, ou je sais plus. Et les autres qui étaient partis faire la Tfila, ils venaient tous. Tous les Kohanim venaient ici, et ils s'alignaient. Tous les Kohanim qui avaient fait la Avoda, bien évidemment. Qui avaient une Avoda, parce que les autres, ils avaient déjà retiré leurs habits depuis déjà. Le Perekhe, on avait vu que ceux qui n'avaient pas été tirés au sort, ils retiraient leurs habits. Mais ceux qui ont fait la voda, ils allaient eux faire la bracha du Birkat Kohanim. Et maintenant, donc, on a tous les éléments pour commencer la Mishnah qui va me dire Baou ve amdou al ma'alot haolam. Ils sont venus et ils se sont tenus et se tiennent sur les ma'alot, sur les escaliers du Oulam, qui entre dans le Oulam, dans le préau du Echal. Amdou harishonim ladarom, les premiers, c'est-à-dire les premiers arrivés, qui étaient en fait ceux qui avaient fini la voda dans le Echal, les 5 Kohanim, ils se mettaient eux sur la partie sud,
on a le nord et on a le sud. Et donc sur la partie sud, sur les escaliers ici, de manière à ce qu'ils vont être à droite, parce qu'ils vont donner leur face au peuple. Achéhem à Kohanim, les Drom Achéhem à Kohanim, au sud de leurs frères Kohanim, que les autres Kohanim, ils vont être sur le reste des escaliers. Vachamisha Kelim Beyadam, ils avaient 5 ustensiles dans leurs mains, de manière à montrer ça y est, on a fini de faire la voda totalement. Ils avaient quoi? Ils avaient Hateni Beyadechad, ils avaient le panier dans les mains de l'un, le panier pour ramasser les cendres du Misbeach Hektoret. Veakuz Beyadechad, le kuz, c'était le petit ustensile pour vider toutes les cendres de la menorah. Ouais, ils avaient vidé les cendres ici, et après, ben non, ils allaient se tenir sur le Echal. Ve'amarta, vous avez compris, ils avaient vidé les cendres, ça veut dire qu'ils ont récupéré les cendres de l'intérieur, ils sont partis les verser sur le Makom Adeshem. Et ve'amarta be'yadechad, l'appel dans les mains de l'autre, dans le de l'un. Ve'abazar be'yadechad, le bazar. Alors le bazar, c'est le petit ustensile où il y avait l'actoret, selon le Barthénois. Le Tiferet Israël, il a versé les deux. Le bazar et le kaf. Mais on reste avec le Barthénora. Le bazar, il avait donc, c'était le petit ustensile dans l'actorette. Vea kaf, vekisouya, beyadechad, et la kaf, c'était la grosse cuillère, avec son couvercle. Beyadechad, c'était dans les mains de quelqu'un d'autre. Uberechou et ta'am beracha achat. Et il bénissait le peuple avec une seule bracha. Il allait me dire, mais non, parce qu'il y a 3 brachot, nachon, yevarechecha, ya'er, et issa. Et bien malgré tout, ça s'appelle une seule bracha au Beth Amikdash, pourquoi? Et la Sheba Medina Omrimota, Shalosh Brachot, dans le pays, c'est-à-dire dans les villes, de partout dans les synagogues, on la coupe en 3 brachot. On répond Amen à chaque fois. Ou Bamikdash Bracha, tandis qu'au Beth Amikdash, on ne répondait pas Amen après chaque bracha. Donc les Kohanim disaient d'entrée tous les mots du Birkat Kohanim, Hashem Yishmanecha, Hashem Yishmanecha, sans répondre Amen. Ou Bamikdash Ayu Omrim, Et Hachem Kirtavo, encore une différence, c'est qu'au Beth Amikdash, lorsqu'il prononçait le Shem Hachem, il ne disait pas Adonai, mais il disait Yeko Yudke Vavke, il le prononçait avec les lettres. D'accord? Ayomrim et Hachem Kirtavo, comme il est écrit, ou ben Medina ke Kinuyo, et dans la Medina, dans le peuple, dans le pays, on le faisait comme le Kinouy, comme ce qu'il faut le lire, et pas comme ce qu'il est écrit réellement. Comme c'est dit dans Zeshmi le Olam, Zechri le Dordor, dans la parasha de Vaïra. Tel est mon nom, c'est Yudke Vavke, mais Zechri, ce que vous allez mentionner comme nom, alors c'est le Zechri, c'est le Adonut, Adoni. D'accord, Adon. Ou Bamedina, Bekinuyo. Bamedina, Kohanim Nosim et Kapehem, dans le pays, dans le peuple, dans les villes du pays. A Kohanim Nosim et Kapem, les Kohanim levaient leurs mains, Yedehem Keneged Kitfotehem, leurs mains contre leurs épaules, à la hauteur des épaules, pas plus haut. Ils font comme ça. Ça, c'est chez les Ashkenaz, pour les Sfaradim, ils ont d'autres minagim. Chez les Sfaradim, c'est très original ce qui se passe. Il y a en Israël, quand les Kohanim ils font la Birkat Kohanim, il y a, je ne sais pas, il y a au moins 5 manières de faire, 6 manières de faire, j'ai pas tellement compris. Il y en a quoi qui sont les Shukhnazim, qui font comme les Ashkenazim, il y en a qui font. J'ai pas compris, il y en a qui font avec les mains comme ça, il y en a qui font avec les mains comme ça, il y en a qui les collent, il y en a qui les espacent. Je sais pas d'où c'est venu, il y en a qui replient les mains, il y en a qui les tendent les mains plus haut. Je connais pas, j'ai jamais étudié de fond le problème. En tout cas, selon la Mishnah, c'est écrit, on mettait les mains à la hauteur des épaules, pas au-dessus, dans le pays. Au Bamigdash Al-Gabei Rachéhen, tandis qu'au Bamigdash, on les levait au-dessus de leur tête. Chutz mi Kohen Gadol, à l'exception du Kohen Gadol, Shen Magbia et Yadav, les mâles aminatis, qui ne pouvaient pas lever les mains au-dessus du titre du fronteau, où il y avait le Shem Hashem qui était là, donc ils ne pouvaient pas lever les mains au-dessus du titre où il y avait le Shem Hashem. Pourquoi d'abord les autres Kohanim levaient les mains au-dessus de la tête au Beth Amikdash? Pour bien différencier, d'abord, on lève les mains parce qu'il y a marqué Vaïsou Kapéem, Vaïsa Aaron et Yadav, Elaham Vaïvarechem. C'est marqué dans la paracha de Shmini, il me semble. Là-bas, on a fini la Chanukat HaMizbeach. On a fini plutôt de faire l'inauguration. Oui, la Chanukat HaMizbeach, de faire l'inauguration du baptême du Mizbeach. Et là-bas, Aaron HaKohen va faire la Birkat Kohanim. Une fois qu'il a fini, il va Issa Aaron et Yadav. Il a levé les mains, il aura fait la bracha. Ah, tu lèves les mains, donc il faut lever les mains. Maintenant, lever les mains jusqu'où? Alors, lever les mains, il faut que ce soit au minimum à la tête. Selon le Beth Amikdash, puisqu'il prononce le Shem Hashem à Meforash,
Alors, en l'honneur de la Shrina qui est dans leurs mains, il fallait lever les mains bien au-dessus pour symboliser le fait qu'ils ont la Shrina qui réside dans leurs mains pour bénir le peuple. Kutshmi Kohen Gadol, donc à l'exception du Kohen Gadol, que lui, il avait le fronto sur le front, en l'occurrence au-dessus, plutôt c'est à l'endroit où on met les tfilines. Et là-bas, il y avait marqué le Shem Hashem, donc pour ne pas mettre les mains plus haut que ça, il ne levait pas les mains plus haut que sa tête. Et Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit non, il n'y a pas aucun problème. Av Kohen Gadol, Magbia et Yadav, les mal aminatitz. Même le Kohen Gadol pouvait lever les mains au-dessus du titz. Chez Nehemar, le titz c'est le fronton, chez Nehemar, comme nous dit le verset, mais ça, Aaron et Yadav, et la âme va y varechem. Et Aaron a levé les mains vers le peuple, et il les a bénis, et même s'il avait le fronton, ça ne l'a pas empêché de lever les mains, comme ça, Rabbi Yehuda déduit du Pasouk. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha.